يريد مواصلة التمدرس عن بعد. Bonjour chers élèves, on continue toujours avec la première année du baccalauréat avec, dans une activité de langue qui sera consacrée aux figures de style, l'hyperbole et la gradation qui sont deux figures d'amplification. Alors notre objectif consistera à maîtriser et employer quelques figures d'amplification. On commence d'abord par une phase d'observation. Je lis le premier exemple, vous lisez avec moi. J'étais resté à la fenêtre, immobile, perclus et vous avez paralysé. Immobile, perclus, paralysé. Alors là, vous avez trois adjectifs qui sont séparés par des virgules. Donc immobile, l'adjectif immobile. Vous avez perclus. Remarquez que les deux sont séparés par des virgules. Et le troisième mot qui est paralysé. Les trois adjectifs, les trois noms qui sont énumérés ici, séparés par des virgules, ils décrivent qui ? Ils décrivent le jeu. Alors, pour décrire ce jeu, le narrateur ne s'est pas contenté d'un seul adjectif parce qu'il a jugé un seul adjectif insuffisant pour rendre compte de l'intensité des sentiments qu'il avait sentis au moment où il regardait le spectacle du ferrage. Alors, il était immobile, il ne bouge pas, perclus, même sens avec plus de force, et paralysé, c'est la perte du mouvement complètement. Donc on a trois mots qui sont successivement placés et séparés par des virgules. Alors cette figure de style s'appelle la gradation. Gradation. Les trois mots ont presque le même sens, mais il y a un sens qui monte, qui est graduel, qui est ascendant. Je passe au deuxième exemple, vous lisez toujours avec moi. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Alors là, vous avez horrible. Remarquez toujours que les mots sont séparés par des virgules. Sanglante, implacable idée. Donc toujours une énumération avec un sens qui va du moins fort au plus fort. Toujours on est dans la gradation. C'est une idée qui fait peur, c'est une idée qui évoque le sens, c'est une idée à laquelle on ne peut pas échapper. Troisième exemple. Je n'ai qu'une pensée. Alors, la même chose, c'est un nom, qu'une conviction, qu'une certitude. Et donc, la même chose qui se reproduit. Donc, on a des mots ou des groupes de mots qui sont énumérés, qui sont placés donc l'un après l'autre, séparés par des virgules. Et à chaque fois, on a le sens du deuxième mot qui est plus fort que celui qui le précède et ainsi de suite. La même chose, donc comment s'appelle cette figure de style? C'est la gradation. Donc on a vu la gradation qui n'est pas la seule figure de style qui permet d'amplifier les actions ou d'amplifier les caractéristiques du personnage ou leurs sentiments. On va passer à un deuxième type de figure d'amplification
qu'on va essayer de découvrir ensemble. Lisons le quatrième exemple. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Alors là, une rage de battements de mains. Alors, quand on dit une rage de battements de mains, rage, ça rend compte d'un mouvement qui est très rapide, qui est très forte, qui est en quelque sorte hystérique, qui est très fort, d'accord? Donc une rage de battement de main. Donc les forçats sont en train d'applaudir fortement, d'une manière très forte, très violente, de main et de cris de joie. La même chose. Donc là, vous remarquez que les battements de mains, les cris de joie qui sont très forts, ils sont exagérés. Comment ils sont exagérés dans cet exemple? Par l'emploi du mot « rage ». Alors là, ce mot qui est en train d'exagérer le mouvement, ça s'appelle la figure de style de l'hyperbole. L'hyperbole, donc, c'est une image exagérée, c'est une image amplifiée. On passe à l'exemple suivant. Une mère de tête sur la place. Alors, une mère de quoi? Une mère de tête. Alors là, vous l'avez remarqué, on a l'exagération, l'amplification au niveau du mot « mère ». Quand on dit une mère de terre, essayez de l'imaginer avec moi, c'est l'étendue de la mer avec l'étendue de beaucoup de têtes. Donc c'est comme si on a une mer devant nous, mais ce n'est pas vraiment une mer, c'est des têtes. Ça veut dire qu'il y a un très grand nombre de personnes sur la place. Et donc là, c'est une exagération. On ne peut pas avoir un nombre qui va égaler l'étendue de la mer. Et donc, une mer de têtes, c'est un mot qui exagère le volume ou la quantité des gens qui se trouvent sur la place. La quantité de la foule est très grande. Donc ici, on est aussi dans l'exagération, on est dans l'hyperbole. C'est une image hyperbolique. Sixième exemple, une froide averse d'automne éclata brusquement et déchargea à torrent dans la cour carrée. On a vu avec le chapitre 13 que la pluie tombait à flot, d'accord? Que les forçats étaient assis sur le pavé qui était inondé. On a parlé d'une exagération avec l'adjectif, donc le participe passé utilisé comme adjectif inondé. Et ici, on retrouve les torrents. Alors, à torrent dans la cour, ça veut dire qu'il y a un flot de la pluie. Donc là, c'est toujours dans l'exagération de la pluie qui est tombée ce jour-là dans la cour carrée. Et on est avec l'hyperbole, la figure de style de l'hyperbole. D'accord? Donc jusque-là, on a vu deux figures de style qui permettent au locuteur, qui permettent aussi au narrateur d'exagérer soit ses sentiments, d'exagérer donc ce qui se passe autour de lui, d'exagérer les événements ou les actions à travers l'utilisation de la figure de la gradation et de la figure de l'hyperbole. Essayons ensemble de récapituler ce qu'on a vu en identifiant les deux figures d'amplification que nous venons de voir. Alors, d'abord, on a vu la gradation. Qu'est-ce que c'est qu'une gradation? Alors, c'est une énumération de mots ou de groupes de mots. Énumération, comme on l'a vu avec immobile, perclus, paralysé. Alors, que ce soit un seul mot ou on peut trouver aussi des groupes de mots qui sont ordonnés, mais selon une progression. Alors, cette progression, elle est soit ascendante, c'est-à-dire qu'elle est croissante, soit elle est descendante. Et quand on dit descendante, c'est le contraire d'ascendante, ça veut dire qu'elle est décroissante. D'accord? Alors,
on va voir le premier type de gradation ascendante avec l'exemple suivant. 10, 100 et 1000. Vous pouvez le voir, donc la flèche vous le montre ici. On passe de 10 à 100 à 1000. Donc là, ce sont des mots qui sont énumérés, mais qui ont un sens croissant. C'est une gradation ascendante. Le contraire, c'est une gradation descendante, c'est-à-dire décroissante. Et on va procéder par l'inverse avec le même exemple. Donc on a 1000, 100, 10. Remarquez là, on descend. On va du plus grand, 1000, au plus petit qui est 10, en passant bien sûr par le 100. Alors, la gradation sert à quoi? Pourquoi est-ce que un narrateur, un écrivain ou un locuteur tout simplement recourt à l'utilisation de cette figure d'amplification, de cette figure de style? La gradation permet tout simplement de produire un effet de crescendo. Elle accumule des mots de sens de plus en plus forts ou au contraire de plus en plus faibles. La deuxième figure de style, l'hyperbole. Qu'est-ce que c'est qu'une hyperbole? C'est une exagération. Déjà le mot hyper, ça veut dire très grand. Exagération, c'est une exagération par laquelle une idée ou un événement est amplifié par rapport à la réalité. Donc toujours l'image donnée dépasse largement la réalité que le narrateur est en train de décrire ou de présenter. L'hyperbole sert à quoi? Quel est son effet? Quand est-ce qu'on utilise cette figure de style? L'hyperbole, tout simplement, permet de produire une forte impression, d'exprimer des sentiments extrêmes. Alors là, nous allons essayer ensemble de faire un exercice d'application pour voir si vous avez bien compris ces deux figures de style. Je commence par le premier exemple. On va essayer donc d'identifier quelle figure de style vous avez dans chacun de ces exemples. J'étais ivre, stupide, insensé. Alors là, vous avez trois mots, ivre, stupide, insensé, qui sont énumérés, d'accord? Qui sont énumérés et qui ont un sens croissant, d'accord? Ascendant. Donc là, comme c'est écrit, vous le voyez, vous l'avez deviné aussi, c'est une gradation ascendante. On monte dans le sens des mots qui sont énumérés. On va du moins fort au plus fort. Deuxième exemple. Il clame, il crie, il hurle son innocence. Alors là, on a des verbes qui sont énumérés. Alors, clamer, crier et hurler. Donc là, ces trois verbes sont énumérés et qui ont aussi un sens qui va de plus en plus vers le haut. Donc on est crescendo, donc ascendant. On est dans la gradation ascendante, dans la gradation croissante. Le troisième exemple, il lui reste peu de temps à vivre. Quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Alors là, vous avez le mot « jour », donc on a un groupe de mots qui est énuméré cette fois-ci, quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Donc là, on passe du jour vers l'heure, vers les minutes. Alors, vous l'avez deviné par vous-même, c'est une gradation descendante puisqu'on passe du jour vers la minute en passant par l'heure. L'exemple suivant, je vous l'ai dit 1000 fois. Est-ce qu'on peut dire une chose 1000 fois dans un temps court? Alors là,
vous avez le mot « mille » qui est exagéré, qui amplifie le verbe « dire ». Alors là, on est dans la figure de style de l'hyperbole. Il avait une telle soif qu'il aurait bu toute l'eau du lac. Donc, boire, boire toute l'eau du lac. Donc là, on est en train d'exagérer quoi ? D'exagérer cette soif. Et donc, la figure de style que vous avez ici, c'est l'hyperbole, puisqu'on ne peut pas boire toute l'eau du lac. Là, l'écart est énorme entre une réalité et ce qui est présenté, ce qui est exagéré dans la phrase. Dernier exemple, « Je t'ai attendu pendant une éternité ». Alors, le mot « éternité », est-ce qu'on peut justement attendre quelqu'un toute une éternité ? C'est impossible, puisque nous-mêmes, on n'est pas éternel. Donc, le « je » ne peut pas attendre quelqu'un éternellement. Là, c'est une simple expression pour exagérer la durée de cette attente. Et bien sûr, cette exagération nous renvoie à la figure d'amplification de l'hyperbole. Alors maintenant, vous allez vous amuser chez vous à faire l'exercice suivant. Alors, vous avez regardé un film qui vous a ému par les exploits héroïques du personnage principal. Ça vous est arrivé certainement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de formuler des phrases qui rendent compte de ces actions. Quelles sont les actions héroïques qui vous ont ému ? Et vous allez essayer d'utiliser les figures de style d'amplification étudiées, à savoir l'hyperbole et la gradation. Et merci pour votre attention.